Voilà, normalement. Bon comme ça. On est à la taverne du village. Où je vais... un petit peu abandonner le jeu, la partie. Parce que j'en avais... plein le cul. Mais je sais fatigué. J'en ai toujours plein le cul, mais je suis... également toujours un peu fatigué. Je peux vous aider. Bon. Donc... hop. Quête annexe, je crois que ça va attendre. Je dois donner l'amulette dans Dimetritium à Alvin, je crois. Que... ou Alvin, voilà. Bon. Alvin. Ah oui. Gamin. Maison de... la madame qui va se marier. L'opposé, moi. Ah, il est déjà là. Salut Mister X. Alors, es-tu prêt pour ce stream un petit peu plus long qu'il y a? Ou si on m'appelle en dernière minute pour faire la nuit? Quel cas, je ne sais pas quelle sera ma réponse parce que j'ai pas spécialement bien dormi. Ni beaucoup, en fait. Putain, il est pas là le sale gosse. J'ai vu Julian. Selina est parfois insupportable. Mais je voulais juste m'assurer que Julian allait bien sans qu'il sache ou pense que je... Ah. Pourquoi... je cherche... s'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines. Merci. Et c'est où ça? Or comme l'indicateur sur la map part en couille quand on sort d'un bâtiment ou une connerie dans le genre. Les ruines près du village. C'est. Bon, mon marqueur s'est mis à jour. Non, je pense pas. Ah non, ça vient de chez toi, je pense. Qu'il y en aurait pour Lunaire, je comprends. Si jamais je repasse chez lui. Rien à celui-là. What?
faisait une grosse rediff hein, pour ce stream, j'imagine. Fantôme joueur, un des professionnels contre qui peut jouer au dé. Et elle vint in. Je ne veux pas. Ouais, tu fais des propositions, Céleste. Gérald de Rive lui-même. Tu es célèbre au royaume des morts. Alvin, éloigne-toi. Les fantômes invoqués peuvent être redoutables. Je voulais juste utiliser l'énergie, comme Triss. D'habitude, je suis gentil. Mais la solitude me pèse. J'aimerais qu'Alvin reste jouer au dé avec moi. C'est un garçon intelligent. Fiche-lui la paix. Alors il reste la solution classique. Jouons-le au dé. Le perdant laisse le garçon à l'autre. Tu n'as aucune chance. Tu es sûr de toi. Parfait. 2 minutes de replay. Ah, il a encore gardé des thunes en plus. Putain. Oh, des lunettes propres, mais c'est un combat de tous les jours, de chaque instant. Pour une chemise. Bref. Ouais. Ouais, j'ai mis 2 pièces. Je suis quand même perdant. Dans 2, 3, 4, 5, 6. Salut Nero. Réfléchir tant que tu. J'espérais qu'il fasse pas de 3. Bon bah. Ah, t'es nul! Alerte! Au secours! Tu m'as sauvé. J'ai eu tellement peur. Tout va bien. Je sais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces ruines? Triss m'a dit qu'un jour j'apprendrai des sorts. Du coup, moi, j'aime la magie. Et l'ermite dit que les ruines sont magiques. J'ai toujours les yeux en face des trous. Parfois, j'ai des cernes aussi avec. Je n'avais pas le droit de mettre Alvin en danger. J'étais me coucher hier vers 21h, je crois. La salamandre ne connaît pas la pitié. J'ai dormi 3h, je me suis réveillé, j'ai un peu farmé l'even de Metal Gear Solid 5. Je suis un sorceleur. Puis j'ai voulu me rendormir vers 7h. Et de penser à eux. Il y a 9h, c'est l'agence intérim qui me sonne. Parce qu'apparemment, ils ont eu des problèmes. Ils ont appelé des gens pour faire la nuit passée, sauf que personne n'a répondu. Du moins, pas assez. J'ai un cadeau pour parce toi. Parce qu'en fait, ils sont trompés dans les numéros. Il y avait un décalage au niveau des noms et des numéros. Du coup, ils ont appelé des gens qui travaillaient déjà. Il a le pouvoir d'éloigner les cauchemars. Non. En fait, j'en ai un, ils ont appelé, ouais, ils ont appelé donc les gens qui travaillaient déjà, mais par exemple, vivre avec Alina et Julien. Je rêve d'Alina. Mon nom, par je exemple, était mon numéro de téléphone était associé à quelqu'un qui travaillait déjà. Et du coup, moi, on m'a pas appelé. Mais la personne, par exemple, qui travaillait, bah, on va dire son numéro était associé à quelqu'un qui travaillait pas, bah, on l'a appelé, mais lui, il travaillait déjà. Du coup, des cauchemars. Enfin, c'était le bordel. J'aimerais pas vivre avec des gens normaux. Les sorceleurs protègent des gens comme ça. C'est quoi dans le coup, il prend les yeux. Normaux, quoi. Mets le collier. Douane, regarde dans mes yeux. Vois ta mort.
Je ne veux pas entendre ça. T'es même pas humain. Alvin, comprends-tu la nécessité de cette action, quel qu'en soit le prix? Geralt, ouvre ton esprit. Je me suis le fantôme, j'ai hâte de rencontrer une nouvelle adversaire. Quelle mise à jour, Alvin? Alvin, en sécurité, je peux me consacrer à autre chose. Mais ouais, il a du sang de... je sais plus trop bien quoi, là. Du coup, non, il est pas gentil. On va se taper, maintenant. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? La seule chose capable de vaincre la mort. L'amour? Je ne te savais pas si romantique. Il s'agit de l'amour des dés. Et un simple jeu vaut la peine de revenir. C'est une passion, pas un jeu. Je sais, j'ai gagné et perdu des fortunes au poker. J'y ai perdu la vie, sur un gros coup de malchance. Une partie? Avec plaisir. Je lance pour toi. Je peux me débrouiller. Il y a de la triche. C'est des fantomatiques, là. Taillé dans ses propres os. Non, plutôt, va-t'en. Je me casse. Et alors, pareil, hein, je peux jouer au fantôme. Hein, j'ai battu le fantôme, je vais chercher un autre arnaqueur. Ouais. Le fantôme du Camino. Bon. Elle va me consacrer à autre chose, ouais. J'en ai... chaude journée. Je n'ai trop vu pour ignorer les prophéties, quelque chose de mal vient vers nous et Alvin l'a pressenti. Il sera bientôt là et ça va s'attaquer à ceux qu'il a de plus cher. Je dois trouver Julian et l'avertir. Génial. C'est reparti pour un aller-retour de qualité. J'avais envie. Moi j'ai regardé une petite vidéo de gameplay du futur nouveau prêt. Ça a l'air de se jouer comme un... enfin, comme... mélange de Deus Ex, Bioshock, les premiers, et... System Shock. Pour le peu qui est joué au dernier, à System Shock. Je sais pas, j'ai oublié son nom, merde. Ghost Recon Wildlands, c'est un petit peu un des seuls jeux qui m'intéresse, qui va bientôt sortir. Quand je dis intéresse, c'est un bien grand mot par contre, mais je pense que je ferai bien une petite partie dessus. Bah, je ne pense pas qu'il va vraiment décevoir, mais ça restera un jeu, ce sera pas que de l'action, il y aura énormément de recherches, de craft, ce genre de trucs. Pour moi, ça a l'air sympa. J'y jouerai probablement. Que s'est-il passé? Je sais pas si j'ai envie de directement l'acheter à sa sortie, de faire un petit stream dessus. Attention. Vatican City. elle n'est pas rentrée, je deviens fou. Bon, merci. Toute la... elle est morte. Trouver ses ossements grippe pas. Fait bouffer. Moi ça réglerait les problèmes. Elle rigole pas, ça doit sûrement être bien.
Tu fais un tour en voiture, t'as tué tout le monde. Il n'y a plus assez d'habitants. Merde. Qu'est-ce qu'il faut encore là, ce con? J'ai rêvé que j'étais un sorceleur et que je combattais ce monstre, même que j'avais pas peur. Seuls les imbéciles n'éprouvent pas. D'après les villageois, Berengar a peur d'une espèce de poisson géant. Tu crois que c'est amusant? C'est sûr. Enfin, comme toi, pas comme Berengar. Les sorceleurs sont tellement courageux. Ils sont jamais malades. Au moins, tu savais à quoi t'attendre. Hein. Nous ne sommes jamais malades, mais ça a un prix. Et puis, il faut souffrir. Non, je ne peux pas devenir... Non. Je sais pas... Salut. Tu as le je le porte tout. Et tu fais en... Pas pendant la sieste, mais... Tu n'es pas obligé de me les rappeler. Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider, mais je sais qu'on trouvera rien. C'est juste des... Bon, ça va faire ta gueule maintenant, on passe à autre chose. Il dit à Alvin qu'il faut endurer l'expérience de la douleur pour devenir sorceleur. Chaude journée, le rêve d'Alvin me suggère de chercher pendant la journée. Nous permettra de chercher pendant la journée. Salut Gérald. Comment es-tu arrivé ici? Je ne te le dirai pas. S'il se passe quoi que ce soit. Arbre du pendu. Arbre pendu, je sais pas. Ça me rappelle un autre jeu. Rise, son of Rome. Hein? Attention. Faut toutes s'est mariées. Dégueuler à force de tourner comme ça. Je rapportais à mon bien-aimé un châle plein de framboises juteuses, gorgé de... Mon mariage est pour bientôt, mais je dois voir mon bien-aimé une dernière fois. L'amour est souffrance. Une douleur qui transperce l'âme comme une lance. Oh, ma chère sœur, j'ai pleuré. Le froid de la mort. Ah, les grosses textures. Ah, on peut pas la fouiller. Spectre de nuit. Il bougeait tout seul là, c'est... Allez, casse-toi. Ouais, la douleur qu'on doit tout le temps endurer, tu vois, c'est un petit peu les gens comme toi.
Homefront 2. Tu as tué ma chère Alina. Je n'ai pas voulu ça. Menteuse, tu étais jalouse d'elle. Tu vas mourir. Ah, voilà qui est fait. Homefront 2, il y avait eu un week-end gratuit, je l'ai téléchargé. Il a jamais fonctionné plus de 5 minutes. Le jeu était déjà bourré de bugs. Mais en plus, il crachait, mais toutes les 5 minutes, t'avais un retour au desktop. J'ai essayé d'y jouer 30 minutes. Après, je me suis cassé, c'est bon, j'en ai eu assez. Vous m'entendez ? Vous qui n'êtes ni homme ni fantôme, le mortel dont la mort suit les traces. Qui êtes-vous ? Une âme maudite. J'aurais bien voulu y jouer, tu vois. Mais y a rien qui fonctionnait. En tuant ma sœur, Alina, par jalousie. Célina ? Rejetée par l'amour, rejetée par le soleil, ça brûle ! La nuit, je lance ma mélodie plaintive. Sinon je te crève et on n'en parle plus. Non ? Voilà. Moi, s'y prend une exoplasmique truc. Eh ouais. C'est dommage, hein. Pour moi, le premier, bon, ben, c'était, ça faisait très Call of Duty. Le solo, bon, j'ai joué un petit peu au multi, c'est le multi, laisse tomber, tout le monde joue au fusil à pompe qui te one-shot à 50 mètres. Mais le solo, voilà, ça restait un truc assez, entre guillemets, classique, sans plus, mais bon, voilà. Je dirais même un Call of Duty aurait été plus intéressant. D'ailleurs, un jour, je me ferai la série de tous les Call of Duty, parce que le dernier auquel j'ai joué, c'est Modern Warfare 3, et... J'ai un petit peu envie d'y jouer, voilà, c'est des jeux fun à faire, à regarder, donc, voilà, pour le fun. Je ne la mais jamais. Voilà, j'aurais bien voulu jouer aux deux qui partaient dans un axe un peu plus open world, mais il n'y a rien qui fonctionne, mais rien du tout. La tête de ma bien-aimée a heurté une pierre. C'est terrible. C'est un accident. Célina m'a tout dit. Et j'ai perdu le contrôle de moi-même. Célina a jalousé Alina. Et Julian aussi, pour sa fortune. Alina n'est pas morte. Oh, c'est atroce. Essayez de ne rien. Je dois dire à Julien qu'Alina est morte à son tour. Mais je les ai tous tués, non? Ah oui, c'est comme Battlefield Hardline. Là aussi, il faudrait que je le fasse en vidéo pour le fun. Et Call of Duty, je crois que je les ferai en stream. Peut-être pas en vidéo, sauf si on a vraiment un qui sort du lot à ce moment-là. Bon ben voilà, pourquoi pas, c'est un truc qui sera encore vite fait, je pense. Voilà. On verra. J'ai esquivé avec son frère. Gérald ? Je devais partir. Et alors ? Je l'ai. Oh, c'est magnifique. Asseyez-vous et buvez un peu. Alina est morte. Morte ? Je sais que c'est dur, mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Si je n'interviens pas, des gens mourront dans les champs. Je sais. Faites ce que vous avez à faire. Ça coûtera plus d'une pièce d'argent. Faites ce qui doit être fait, sorceleur. J'essaierai. Vous savez... Après, il faut voir, tu vois, le problème pour moi, c'est que c'est pas spécialement des mauvais jeux, mais juste que les développeurs se foutent de la gueule du monde. Déjà, rien que pour moi, un des éléments les plus dissuasifs, c'est le prix. Le prix il diminue jamais. Si tu regardes les anciens Call of Duty, même Call of Duty 4, il est encore à 20 ou 25 euros. Faut pas déconner non plus, quoi. Ils en sortent tous les ans, et ceux de l'année passée sont encore au même prix de sortie. Au prix de sortie. Après, franchement, le solo, c'est fun. C'est fun. Y a rien à dire, c'est fun. Le scénario, il part dans tous les sens, mais c'est fun. C'est quoi cette musique, dans le coup, là ? Donc... Voilà, pourquoi pas, tu vois, je les ferais bien, mais le multi, il est cancéreux, mais c'est incroyable. Après, je vais pas partir dans un débat sur pourquoi Call of Duty c'est bien ou c'est pas bien, parce que on aura pour des heures. Qu'est-ce que je devais faire? Il y en a un qui veut endurer les... Ouais. Bah, les coups.
J'ai rencontré là, je dois trouver le moyen de libérer le fantôme d'Alina, je devrais en parler avec quelqu'un qui s'y connaît en malédiction. Triste. Mais franchement, j'aimerais bien les refaire, les faire. À partir de Modern Warfare 3, c'est le dernier auquel j'ai pas joué. Mais juste comme ça, histoire de me faire un avis, parce que bon, moi j'ai un avis sur la série, sur un petit peu sur comment ça se passe, pourquoi les gens en général n'aiment pas ou apprécient bien cette série. Bien que souvent ils n'apprécient pas alors qu'ils n'y ont jamais joué, ça c'est hypocrisie. Et voilà. Une fois peut-être. Trouver des versions crack. Ah oui, sur Black Ops, ouais. C'était le premier hein, que j'avais fait de vidéo dessus. Je crois que j'ai supprimé parce que j'ai trouvé dégueulasse. Mais je... c'est, tu vois, il y en a certains, t'as l'impression que ça part en couille, enfin c'est n'importe quoi. Modern Warfare 2, par exemple, le solo était fun. Il était putain de fun. Après, j'ai regardé, je crois, des vidéos de... Quel ? Je sais plus lequel, mais bon. Ça avait aussi l'air très bien, mais ça reste un jeu extrêmement scripté, extrêmement fun, mais ce qui part dans tous les sens. Moi, j'appréciais pas. C'est franchement, si je devais supprimer des vidéos, je supprimerais bien 2-3 walkthroughs. Ceux de Metro, par exemple. Metro 2033, putain. Même Dead Space. Ouais. Quelqu'un qui s'y connaît en malédiction. Une sorcière. Triste. Plutôt triste. Sorcière, elle est vraiment sur la toute première map. Je pense pas qu'on nous renvoie jusque là. Sinon, qui en malédiction? Pas le fantôme, vu que ça n'a aucun sens qu'il s'y connaisse en malédiction. C'est pas parce qu'il est maudit que... ouais, j'ai trouvé une pièce d'armure, du coup, il me manque encore le reste de l'armure, de corbeau, il y a des notes d'un ménestrel elf. Dans l'eau, je vais apporter quelque chose à la dame du lac pour voir s'il lui plaît. Ouais, d'ailleurs, je sens pas avoir Triss. Pour se contenter de quelqu'un dans le coin d'ailleurs. On m'avait pas dit qu'il y avait un fantôme, une connerie. Modern Warfare 2 aussi, je l'avais fait en vidéo. Je crois que je l'avais pas reposté par contre. Eh bien, on a rien sans rien, je sais. Mais ce grippe-sous de Hoffman lâchera bien quelques... Douce. Ce sont des démons de jour qui apparaissent lorsque le soleil est au... Je suis... Les îles... Merde. Cette Alina, on ne peut pas la rater. Franchement, si je refais un walkthrough... Enfin, je regarderai en vétéran ce que ça donne. Je crois que je le ferai plutôt en commando, histoire de... De pas rester H24 planqué derrière un mur. Sortir la tête, prendre 3 balles dans la gueule, en tirer une, buter un mec. Recoucher et avancer comme ça, ce serait chiant. Commando, la difficulté est déjà... Un peu mieux équilibré, on va dire. Il y a plus moyen de faire quelque chose. Je dois répondre. J'ai un parchemin et de quoi. L'amour te réussit, je suis ravi pour. Je ne veux pas en parler. Et ensuite. Elle doit se faire du souci pour. Et je peux... Ça l'intéressera peut-être. Assieds-toi et écris. Gérald. Comment lui... Va voir le pêcheur. Je veux que le fantôme... Il se trouve qu'Alina possédait un miroir donné à Lena. Le même que celui qu'emploient les oracles et les prophètes. Il prédisait le futur. Parfois... En lui demandant... Miroir... Qui est la plus belle? Les miroirs donnés à Lena sont soit flatteurs,
soit brisé. Le miroir d'Alina n'était pas flatteur. Si nous trouvions ces morceaux, le reconstituions, elle réaliserait qui elle est. À plus tard. Non, c'est impardonnable. Ah oui, bon, l'abattoir aussi, je l'avais fait. C'était aussi assez bien. Le miroir, je vais retrouver des éclats du miroir d'Alina dans les champs. Ah bah putain, ça va être bien ça. Ah c'est quoi le trip avec cette bestiole là? C'est des singes? Complètement dégueulasse. Ah, ok, c'est une plante d'anis. De midi. Est-ce que ça rapporte comme XP cette merde? En 95. Ah bon. Cadavre. Le sang ancien, ce livre parle des sources, ceux qui ont... Ouais, parle des sources, ceux qui ont du sang ancien dans les veines. Il est impossible de remonter jusqu'aux origines de l'Aradoren. Le destin de générations entières s'est perdu dans la nuit des temps, altéré qui plus est par la délignée douteuse d'enfants bâtards, des falsifications intentionnelles de l'histoire et à cause d'un simple manque de sources. Dans de nombreux cas, le sang ancien s'est trop dilué et a perdu son pouvoir. De plus, toutes les sources n'attribuent pas leur magie, leur pouvoir magique à la présence des gènes de Lara. Rares sont ceux qui ont subi de la mutation et sont marqués par ses extraordinaires talents. Ils sont capables de voyager dans le temps et l'espace et sont dotés de certains pouvoirs. Toutefois, ils sont dangereux et incontrôlables. Ils ressurgissent en cas de stress ou d'émotions intenses et surprenantes même leurs détenteurs. Et surprenant même leur détenteur. Il existe des cas historiques de voyageurs projetés loin dans l'espace et le temps par leur pouvoir. C'est pourquoi la confrérie des mages devrait prendre particulièrement soin des enfants sources et les élever en veillant constamment sur eux. Ouais. Donc Alvin, il va faire peut-être des petits tours dans l'espace. Alors, il y a un truc. Ouais. Peut-être pour rentrer dans le bâtiment, en fait. Ce serait quand même de l'autre côté. Faire des tours pour cadavre. Alvin. Ah ok. Oh, oui. Putain. Tu devrais arrêter. Mais j'adore ce jeu. Alvin. D'accord. Sale gosse. Allez, putain.
Qu'est-ce qui vient glander là-haut? Ah ok, il faut la retuer. Allez. Ça fait plaisir de mourir en boucle. Pardon. Éclat du miroir d'Alina. Peut-être un fétiche, hein, mourir en boucle. Trop de mine. Ah non, c'est une Weaver. Je disais, il a une drôle de gueule, ce spectre. C'est vrai qu'il y a un guignol qui demande des œufs de Weaver. Sur les grosses. Parfois je les bazarde, parfois je les vends, parfois je les utilise. Je crois qu'elle finit par aimer ça. Un cadavre. J'ai fait. On est dans l'XP 37 000. En 374 000 sur 378 000. Encore 4 000 XP quand même. Une nouvelle région, Ravin. Lanterne de druide. Cercle du feu conquérant. Pour booster le pouvoir de... Je change quand même un petit peu leur terme qu'on se tapait d'habitude.
Parce que c'est une super hache merdique, en fait. Ah ok, il a fait son pouvoir. Ouais, il bougeait tout seul, je sais pas. Je crois en fait que la Wyvern a été... Elle a été stun. Du coup, il a voulu reculer pour lui faire le... L'élimination, le finish. Sauf qu'en fait, la Wyvern a probablement recouvert ses esprits et il a continué à reculer en fait. C'est un petit bug. Qui la dame a-t-elle guidé jusqu'à moi ? Salutations. Un sorceleur. Vous venez pour les... Si l'on veut. Je mène une vie d'ermite sans confort superflu. Je peux vous proposer de l'eau, de la nourriture et une partie de dés. C'est un joueur. Merci. Que puis-je... Auriez-vous... J'ai bien... Comment vous... Il y a un cercle druidique non loin, avec une antique statue de la déesse. Ça ne m'est... Depuis peu, la chasse sauvage hante ce cercle. Son roi tente d'attirer les âmes des guerriers enterrés dans les courganes près de Mahut. J'ai déjà eu affaire à la chasse. Tuer 9 revenants. Le chiffre sacré des druides. L'arrivée d'un sorceleur pourrait faire fuir le roi de la chasse. En guise de récompense, je vous céderai un livre sur les vampires, la propriété d'une cabane ou une couronne d'immortels. Ça me convient. Mais sachez que le roi de la chasse est un adversaire redoutable et qu'aucun mortel, pas même vous, ne peut espérer le vaincre. Alors comment... Ramassez des racines de mandragore près de ma cabane, du côté des courganes. La plante magique éloignera le roi de la chasse. Merci du conseil. Où ça séchera ? C'est inéluctable. Que puis-je... Ouais. On a vu mieux, mais on a vu pire. C'est lui qui gagne. Sauf si j'ai de la chance. Manqué en deux. Pour aussi avoir ça, je suis content. Là, il peut faire ce qu'il veut. Easy. Mandragore. Courgane. Ah ok, merde. Ouais, je vais peut-être lui vendre. Que pu... Les merveilles du monde insectoïde. Vous avez déjà lu ce document, vous avez déjà lu, déjà lu. Que j'en ai encore besoin non plus. Rachète pas cher en plus ton forêt. Du sang de goule, toxine, lymphe abdominale, pas un fluorescence de bidon. Une fois. Tainwell que j'ai cru qu'on devrait utiliser, mais au final, nope.
carrés, des saloperies. Bon. Du gui. Ok, moi je pensais ramasser, j'étais en inventaire plein depuis un an. Oh le putain de con. Prends. On n'a plus besoin le vieux. Là. Mais non, mes couilles, allez. C'est que j'aurais peut-être fini 2-3 quêtes des contrats. Pas le cas. Oh putain. Pardon. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils ont ouvert la lumière, ça fait 5 minutes qu'elle est allumée mais qu'il y a personne. Mettre un pour bonne mesure. Je vais regarder. C'est tout. Avec les 5. Bon, apparemment, ça fait pas grand chose. D'utiliser racine ou un peu pour gagner une fortune de la chasse ne sert que des druides. On passe la nuit, hein. Je crois que ce sera convaincant. Bon, m'a appelé pour les préparer à manger. Pas que ce soit là au-dessus. Ça va être le dernier vu qu'on a fait le tour. Même pas. Apparemment ils veulent vraiment pas qu'on monte. Hein. De sang pour des fantômes, tiens. Voilà. Geralt ! Je t'ai demandé de te cacher quand ça devient dangereux. J'entends des voix. Les voix de toutes les femmes qui... Elles sont mortes. Elles ont peur de moi. Quand elles se croient seules... Les gens... Ils ont peur... Mais je veux qu'elles m'aiment bien. Je veux pas qu'elles soient mortes. Garde. Ça fait toujours du bien de parler. Ah.
On va s'arrêter au feu de camp, je vais passer mon niveau et je reviendrai après. On continuera un petit peu le stream. À un moment, si jamais j'en ai vraiment trop marre ou si j'ai l'impression que ça avance pas trop, on changera de jeu. Parce que ça devient un peu lourd. On approche de la fin. Je serai quand même content quand on aura fini, je passerai après. Je sais pas si je rendrai plus amusant. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ça c'est bon, il reste plus qu'à upgrade les pouvoirs. Entrer une incinération. Ah. Je peux faire ça. Si. Donc voilà. Je ne pense pas qu'on va m'appeler pour cette nuit. On verra. Ça risque d'arriver en plein stream. Donc, ouais, on verra. Si ça n'arrive pas, bon, bah, je continuerai le stream. J'essaierai de tenir le plus longtemps possible sur The Witcher parce que j'aimerais le finir quand même un jour. Comme ça, c'est fait. C'est fait. Et sinon, ben, je vous dirai quoi sur ma page Facebook. Même si en principe, normalement, je devrais pouvoir continuer le stream tout à l'heure. Donc voilà, si vous allez également manger, bon appétit. Si vous ne revenez pas plus tard, bonne soirée, bonne nuit. Et pour moi, à plus tard.